chance pour moi, c'est rien qu'un très grand hôpital. Je passe ma vie en isolement depuis qu'on me dit que je suis malade. J'ai 16 ans, je m'appelle Lily, j'avais tout pour réussir. Un avenir dans la médecine, j'aimais les chiffres et les livres. Mais à l'école, je suis contagieuse, ils ne veulent plus que j'y aille. Les médecins ont dit c'est mieux pour vous de rester au calme. Votre visage fait peine à voir, il porte la souffrance. Pourtant, moi j'ai l'espoir d'un jour épater la France, ce pays qui m'a vu naître. Moi je l'aime et le respecte, c'est pas de ma faute si j'ai dans le cœur un virus que lui rejette. C'est pas de ma faute si je vis en marche, c'est qu'on m'a mise à l'écart. Ils ne connaissent pas mon histoire, je suis victime de leur regard. Je vis dans ma bulle, au moins chez moi, y a de l'amour. Mes copines m'apportent les cours le soir pour que je reste dans le coup. Elles ont crié à l'injustice, elles ont même fait des manifs, mais rien n'y fait. Je suis une cible, mais mon cœur est invincible. Je m'accroche, je reste moi-même. Ouais, je reste fier, j'ai mes valeurs, donc j'ai mes rêves de paix ou d'humanitaire. Dès que je sors, c'est l'horreur, je fais pitié. Je dérange, moi qui pensais qu'étant des leurs, je véhiculerais la tolérance. Maintenant, bleus sont mes yeux, blanche est ma peau, rouge est mon sang. Mais pourtant, je me sens seul dans mon camp. Je me soigne avec des livres, je me soigne avec tes mots, plus je guéris, plus je dérive, plus je péris aux yeux des autres. Lily. J'ai beau leur dire que je suis normal, que je suis entière, que je supporte mal, que l'on me traite comme si j'étais en guerre, que je suis juste pudique, que je n'aime pas que l'on m'observe. Ma démarche, ma m'énerve, y'a qu'à leurs yeux que ça énerve. Je ne mérite pas que l'on me prive d'études ou d'éducation. Elle n'est pas laïque cette nation, elle craint juste la contagion. C'est pas une fille que d'être jugée pour ses formes, jugée pour un uniforme. Comment l'amour peut être jugé par des hommes? Car c'est bien là tout le problème. Dans le fond, je suis aimante, leur seul argument pour vous dire à tous que je suis gênant, c'est de vous dire que je suis l'ennemi. Parce que je suis une femme convertie et que je porte le voile.